Cette installation s'appelle Pattern. Ça a débuté par une recherche autour des motifs géométriques islamiques. L'idée, c'était d'étudier la manière dont ils sont construits, dont les formes sont agencées les unes par rapport aux autres. Et pour ça, en fait, j'ai voulu développer un projet autour de la notion de partition graphique, dans l'idée de donner à entendre les rapports des formes entre elles et de proposer une situation d'écoute qui lie forme, motif et le son en rapport avec l'espace. C'est une œuvre qui est produite par l'Institut français des Émirats arabes unis en partenariat avec le Louvre à Abu Dhabi. Et pour cette première version de Pattern, en fait, je me suis inspiré d'un motif ottoman. Il s'agit d'une fontaine qui fait partie de la collection du Louvre à Abu Dhabi. C'est un élément que j'ai pris de ce motif, que j'ai mélangé avec une construction graphique que j'ai réalisée en utilisant les méthodes traditionnelles de construction de ces motifs. Ces motifs ont été inventés il y a des centaines d'années par des artisans, mathématiciens arabes ou musulmans. Ils avaient à la fois un rôle décoratif, mais au-delà de ça, ils évoquaient un rapport à la transcendance et à la notion d'infini. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en œuvre, de révéler par ce projet, de montrer la beauté des agencements des formes entre elles, et avec cette notion de temps qui s'entrelacent, et c'est une œuvre en fait qui a potentiellement ni début ni fin et qui est tout le temps en transformation. Sur le fonctionnement, en fait, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Yanix, qui a été fait en hommage à Yanis Zenakis, qui était compositeur et architecte, qui a travaillé beaucoup ces rapports entre forme et son, espace. Et là, donc, grâce à ce logiciel, je peux incorporer les formes que j'ai dessinées. Donc, on peut imaginer qu'il y a comme des têtes de lecture qui se déplacent sur le motif et qui me donnent des données. Et à partir de là, j'ai développé deux logiciels, en fait, dans les environnements de programmation VVV et MaxMSP, qui me permettent à la fois de visualiser le parcours dans les formes et justement ce lien entre la forme et le son. Donc là, en fait, l'enjeu, c'était d'essayer de rendre sensible le rapport entre la forme, le son et l'espace. Donc on a différents synthétiseurs que j'ai créés qui se modifient, qui se modulent en fonction de la position, on va dire, des têtes de lecture sur le motif. Et c'est ce qui donne ce résultat, en fait, ce rapport entre le son, le motif et l'espace, avec la spatialisation du son dans l'environnement.